Ensuite, le prochain appareil, ben, ce sera les barres parallèles. Dans ce survol de la représentation masculine canadienne, nous allons y retrouver Darren Brusick. Les barres parallèles qui sont caractérisées par du travail au-dessus des barres, en dessous des barres, du travail donc en appui, en suspension. Donc on voit ici le passage en dessous pour aller à l'appui, monter en force à l'appui tendu renversé. Ici, il s'agit d'une vrille sur un bras, répétée deux fois pour l'augmentation en valeur de difficulté, mais il y a eu un petit problème au retour à l'appui tendu renversé. L'élan demi-tour, élan demi-tour à nouveau, pas tout à fait complété à l'appui tendu renversé. Double salto arrière groupé immédiat, manque un petit peu d'amplitude. C'est pas un exercice qui se distingue par l'originalité et le degré de difficulté. Et vous avez vu aussi qu'on est assez tôt dans la compétition. Les gradins ne sont pas très, très garnis, pas beaucoup de monde. D'ailleurs, aux imposés, on a compté aussi peu à certaines occasions que 300 spectateurs. 8,850 la note de Brusick, alors que le West Fallon...